بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وقائدنا وإمامنا محمد بن عبد الله حبيب الله وعبده ورسوله ونبيه ومصطفاه اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون للبشرية بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا الجناب النبوي الشريف كما صليت وسلمت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من الصالحين في العالمين إنك حميد سميع مجيد. Amma ba'at, chers frères, assalamu alaikum wa ala Nous avons vécu le lundi et le mardi euh, correspondant au 8 puis 9 du mois de juillet en cours 2013, donc des instants euh, on ne peut plus instables quant à la détermination du début du mois de Ramadan. Une cacophonie sans précédent historique en France a eu lieu, scindant au passage la communauté musulmane en plusieurs parties, entre ceux qui ont jeûné, ceux qui n'ont pas jeûné, ceux qui ont commencé à jeûner et ont ensuite rompu tenant compte des évolutions diverses et variées que la journée du 9 mardi euh, euh, a eu, euh, et ensuite d'autres qui ont continué à jeûner et qui n'ont pas rompu. Tout ceci a été un spectacle on ne peut plus risible aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de nos concitoyens français, euh, qui voient en notre communauté ou qui ont dû voir en notre communauté à la fois euh, beaucoup de d'amateurisme et surtout beaucoup 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 d'ignorance. Or le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses euh, positions, à travers ses actions, à travers également euh, les décisions qu'il prenait. Euh, il nous a appris à regarder et à tenir compte de ce que les autres communautés, de, de, de ce que les autres communautés pensent ou penseraient de nous. Lorsque par exemple, euh, il lui a été demandé euh, par certains de ses compagnons ou il lui a été annoncé par certains parmi eux euh, qu'ils qu qu allaient euh, intenter à la vie, de certaines personnes connues comme hypocrites et dont le prophète alayhi wa sallam, était au courant de euh, la perfidie et de l'hypocrisie, eh bien, il a eu une réponse qui devrait servir d'exemple à chacun de nous, qui était de dire, ne les tuez pas, n'intentez pas à leur vie, la yuqala anna yaqtulu de peur que l'on dise, que Mohammed intente à la vie de ses compagnons. Il y a là la preuve que le regard euh, de l'autre euh, est à prendre en compte, notamment non pas vis-à-vis -vis de l'individu euh, que chacun de nous est, euh, mais plutôt vis-à-vis -vis de la communauté que nous devons, parce que je ne dis pas que nous sommes censés, mais plutôt que nous devons constituer, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à plusieurs reprises dans le Coran euh, soit directement, soit de par le sens par exemple euh, celle-ci est une communauté unique et moi je suis votre Seigneur vous me devez adoration il dit également les croyants ne sont que des frères et en insistant sur cette fraternité de foi il nous apprend que نو دوفون نيساسيرمون رستي ونين، ودوطرو ڤران لو الله سبحانه وتعالى دي: يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله حقّ تقاته، ولا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون، وأعتصموا بحبل الله جميعًا، ولا تفرّقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْمَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا Il y a là également dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala exige de la communauté en tant que communauté et eh bien de rester unis euh, en nous disant euh, que euh, cette union-là est fondamentale et cette union ne peut pas se faire euh, sur autre chose ou sur la base d'autre chose que le Saint Coran qui est bien entendu le livre de toute personne se réclamant de l'islam. Donc euh, il y a là la preuve, encore une fois, que nous devons euh, faire part d'unité, en tout cas montrer à notre unité vis-à-vis -vis, euh, des autres euh, communautés euh, euh, du monde entier, qu'elles soient religieuses, euh, philosophiques, politiques ou que sais-je encore, afin, bien entendu, que, euh, eh bien, il ne soit vu de notre part une quelconque division, car la division c'est l'objet des autres et non celle des musulmans. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu nous dit, nous nous avertit en nous disant ne vous disputez pas. al ou Faites-le, Ne vous disputez pas de peur que vous échouiez, et c'est ce à quoi, malheureusement, nous sommes parvenus euh, hier, euh, mardi euh, 9 euh, euh, juillet 2013. Faites-le, de peur que vous échouiez, watadhabari et que euh, votre euh, euh, poids, votre respect, euh, votre considération à l'égard de l'autre, eh bien, disparaissent. Dans le hadith de Abu Daoud et d'autres, le prophète a dit euh, euh, que notre communauté allait, euh, bien entendu, euh, subir de la part des autres communautés, et eh bien, euh, beaucoup, 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 beaucoup de, euh, pas d'agression, mais en tout cas un manque de respect, euh, dû au fait que, nous allons nous diviser. Donc, euh, ces hadiths-là, euh, j'ai envie de dire, sont des hadiths euh, euh, que j'appelle, moi, des hadiths d'avertissement. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon, a été un avertisseur. Euh, euh, Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, l'a souvent euh, euh, dit dans le Coran euh, lorsque, par exemple, euh, il dit euh, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un avertisseur, euh, euh, navir c'est le terme que Dieu utilise à plusieurs reprises dans le Coran. Euh, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avertit à travers ses propos, euh, et bien des dangers qui nous guettent si bien entendu euh, cette division nous gagnait. Pour revenir cette fois-ci à la question euh, en elle-même, beaucoup euh, sont ceux parmi nous qui euh, ont eu à remettre en cause le fait que, euh, et bien euh, le CFCM et décidé, il y a euh, de cela euh, un ou voire deux mois, euh, d'utiliser de, euh, la méthode euh, des calculs astronomiques afin de déterminer euh, l'apparition ou les apparitions euh, de la Lune. Euh, prétendant, euh, pour ceux qui euh, remettaient en cause cette euh, pratique, euh, que ce n'était pas de la sunna, ou ce ne relevait pas de la sunna, le fait bien entendu de s'appuyer sur des calculs mathématiques. Il faut euh, ou plutôt astronomique euh, astronomique au sens bien entendu de hisab donc de calcul. Euh, ce qu'il faut comprendre chers frères et sœurs, c'est que euh, il faut que nous acceptions d'entrée de jeu les paradigmes sur lesquels nous allons discuter. Quels sont euh, j'ai envie de dire les éléments euh, sur la base desquels nous allons discuter. Euh, les euh, principologistes qu'on appelle aussi les yônes, mais également les savants de, des autres disciplines musulmanes nous ont expliqué nous ont légué un héritage on ne peut plus riche quant à la terminologie à utiliser euh, au sujet euh, de tout ce qui touche euh, à la à jurisprudence musulmane qu'on appelle al-fiqh al-islami. Euh, parmi les points sur lesquels euh, ils ont été on ne peut plus euh, clairs, c'est euh, euh, la notion de Delille la notion de preuve. Ils ont dit que l'argument est un argument prioritairement divin, donc le Coran, ensuite prophétique à Sunna. Donc le Coran vient avant et la Sunna vient après l'imam Shafi'i par exemple nous apprend que la sunna n'est rien d'autre que la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, raison pour laquelle euh, la sunna est, euh, euh, est invoquée comme la deuxième euh, euh, le, la deuxième preuve ou plutôt la deuxième source de euh, la législation euh, musulmane dedans les savants ont également établi que euh, il y a deux types de délits, donc deux types de, pre de preuves. Vous avez des preuves qu'on appelle euh, des preuves dont la fiabilité, quant à la chaîne euh, qui le, euh, qui la rapporte, eh bien, euh, ou qui les rapporte, sont euh, indiscutables. Et c'est ce qu'on appelle qatayy ou ». Et d'autres. Euh, dont la fiabilité est quant à elle discutable, ce qu'on appelle niyu athobut. Et de ce point de vue-là, euh, toutes les euh, tendances euh, philosophiques, au sens de réflexion du terme bien entendu, euh, euh, de l'islam, disent clairement que le Coran est un livre dont est une preuve dont la fiabilité de la source est indiscutable, c'est-à-dire que nous sommes en face du Coran, face à ce qu'on appelle un dalil qat'ayyu al cest c'est-à-dire que l'ensemble des versets du Coran, les 6.235 versets du Coran par exemple, sont tous unanimement, euh, 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 comment dire, véridiques, dans le sens où la chaîne de transmission euh, du Coran est une chaîne de transmission qui est euh, euh, certaine et sur laquelle il n'y a rien à dire. Donc, on dit de l'ensemble des preuves euh, coraniques quant à la source, quant à l'origine, qu'ils sont euh, ou qu'elles sont plutôt, euh, euh, comment dire, certaines. C'est ce qu'on appelle khatayyuh es ». Ensuite, nous avons la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa quant à elle, elle connaît euh, euh, deux niveaux essentiels. Vous avez ce qu'on appelle el mutawatir, c'est-à-dire euh, une euh, source prophétique qui a été entendue de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa ou euh, 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 faite par le prophète sallallahu alayhi wa euh, de au-dessus et au-vu d'un ensemble de personnes dont le nombre ne peut pas, euh, euh, j'ai envie de dire, être un nombre de de menteurs. Euh, Imaginez-vous une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, voire une centaine de personnes et au-delà qui ont euh, entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire telle ou telle chose. Eh bien Là, on est dans ce qu'on appelle « el mutawatir » Et là, nous sommes également dans ce qu'on appelle euh, c'est-à-dire des, des preuves prophétiques euh, ou plutôt des euh, euh, arguments prophétiques ou apparentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam dont la fiabilité n'est bien entendu pas euh, à remettre en cause. Et en face, vous avez toujours dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y avait deux niveaux euh, quant euh, à, au traitement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un autre niveau qui est celui de ce qu'on appelle hadith ou al had, cest c'est-à-dire des, des propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relèvent de chaînes de transmission euh, uniques ou reposant sur un groupe de personnes euh, un, deux, trois ou quatre personnes mais qui euh, 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 n'ont pas atteint le nom le quorum, si le mot m'était euh, permis, de ce qu'on appelle El mutawatir, c'est-à-dire un nombre ne pouvant pas euh, connaître la notion de mensonge, car s'il y en a un qui se trompe, eh bien, il y en aura forcément d'autres qui vont corroborer ou corriger les dires euh, d'un tel ou un tel parmi les compagnons du Prophète. Et de ce point de vue-là, les savants n'ont pas eu le même traitement que celui euh, de euh, euh, de ce qu'on appelle « el mutawatir », c'est-à-dire les, les, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont, eux, été entendus par le plus grand nombre de euh, euh, compagnons, raison pour laquelle, eh bien, vous trouvez des jurisconsultes consultes qui, euh, par exemple, euh, ne tiennent pas compte d'un hadith euh, dont la chaîne de transmission est unique, quand bien même euh, il est dans le Bukhari ou muslim, arguant, par exemple, que, eh bien, euh, C'est un hadith dont la chaîne de transmission est euh, euh, assez euh, fine, assez étroite, et que pour cette raison, euh, euh, on va pas tenir compte de cela, parce qu'il y a par exemple une preuve coranique qui, elle, est indiscutable quant à la fiabilité, qui dit euh, le contraire de ce que dit ce hadith. Et certains même ont été jusqu'à dire qu'en termes de hadith, en termes de dogme, on n'a pas à s'absuer sur des euh, hadiths, des hadiths qu'on appelle ahadith ou al-ahad, c'est-à-dire des. Des, euh, propos prophétiques ou des dires prophétiques, car c'est ça ce qu'on appelle la, la sunnah. Ce qui est apparenté au prophète alayhi wa sallam, relevant soit euh, d'un propos, soit d'une action, soit d'un commentaire, parce que le prophète a assisté à telle ou telle situation qui s'est déroulée sous ses yeux, qu'il a laissé faire, qu'il a laissé continuer ou qu'il n'a pas laissé continuer. Bref, euh, euh, certains savants ont dit que quand euh, la notion euh, abordée constitue ou concerne ce qu'on appelle le dogme, eh bien si il ne relève pas, euh, le, la preuve ne relève pas de El Mutawatir. Euh, euh, certains savants euh, ont dit que l'on n'avait pas à, à, à baser notre euh, foi, notre dogme sur des hadiths euh, Al Ahad, euh, c'est-à-dire des hadiths de chaîne de transmission étroite, si l'expression m'était bien entendu permis. Partant de là, il y a d'autres sources comme Al Qiyas ou Al Ijma', euh, qui euh, sont les quatre qui ont, ont eu, euh, entre guillemets, une unanimité l'unanimité reposant essentiellement sur le Coran et la Sunna ainsi que l'Ijmar, et que l'ijma le consensus se divise en plusieurs euh, euh, Partie, mais euh, on ne va pas les aborder ici, euh, dont le fameux Ijma'a euh, Sukhouti, mais euh, c'est-à-dire le consensus euh, tacite ou plutôt qui vient du fait qu'on euh, n'a pas euh, parlé, les gens ne se sont pas opposés à telle ou telle pratique, euh, bien qu'elle se euh, faisait à un, à un instant précis ou à un temps précis euh, auquel les savants ou les compagnons auraient pu, ou les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, auraient pu dire telle ou telle chose et ils ne l'ont pas fait, euh, certains ne tiennent pas compte bien entendu parmi les savants de, de, de cela mais euh, au-delà des quatre, donc l'analogie et, euh, et l il, l il, l il, le consensus qui viennent s'ajouter au kitab wa sunnah, le livre et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avez euh, d'autres qui ont été, d'autres sources qui ont fait l'objet de débats comme ce qu'on appelle l'istihsan le maslah al-mursala et d'autres, le shara'u man qablana et d'autres euh, encore sahabi, euh, la vie du compagnon etc. Euh, C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici est que, comme on a parlé de méthodologie tout à l'heure, il faut que nous comprenions que, partant de là, donc on a vu la notion de preuve, comment elle pouvait être quant à la fiabilité de la transmission, ils en sont venus à un deuxième niveau qui est celui de ce qu'on appelle, toujours dans le fa la façon de traiter la preuve, euh, donc Delille, euh, euh, la notion de sens. Que veut dire la preuve euh, il y a donc à l'intérieur de cela euh, deux notions qui viennent s'ajouter euh, à, à la notion de thubut de, euh, » ou thubut c'est-à-dire la transmission, la, la, la chaîne de transmission est indiscutable ou la chaîne de transmission euh, est, est, est plutôt discutable. Euh, eh bien, ils ont rajouté par rapport au sens, par rapport à ce que veut dire la preuve, eh bien deux notions, c'est c'est-à-dire quoi? Une preuve qui ne laisse nullement la possibilité au débat, c'est ce qu'on appelle ad-dilal, ou une preuve qui, elle, laisse la possibilité aux gens de diverger. Heureusement pour notre communauté, heureusement pour la communauté humaine, si j'ose dire, les preuves, les sources coraniques et prophétiques euh, euh, qui sont du premier niveau, ou plutôt de la première sorte, c'est-à-dire celle de euh, euh, ad-dilala c'est-à-dire celle dont le sens est on ne peut plus clair et ne laisse nullement euh, euh, la possibilité euh, à personne de débattre. Eh bien, euh, ces preuves-là, la nature de ces, les preuves de cette nature euh, sont plutôt extrêmement. Rare. Et d'ailleurs, elles font l'objet d'une unanimité, par exemple l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne, l'obligation euh, de euh, le séquer, l'obligation de, euh, de, 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 euh, du, du pèlerinage, et, 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 et j'en passe. Ces notions-là ne font l'objet d'aucun débat à l'intérieur des jurisconsultes musulmans. En revanche, la façon d'accomplir ces obligations, eh bien, elle a été euh, extraite de euh, euh, versets qui, eux, ou de propos du prophète sallallahu alayhi wa qui, eux, sont des versets et des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui laissent la possibilité aux gens de diverger. Et c'est d'ailleurs euh, sur un verset du Coran que euh, les savants s'appuient pour dire que cette notion de divergence est, on ne peut plus tolérer, voire euh, j'ai envie de dire naturelle et inscrite dans le Coran. Dieu dit par exemple que « ils n'auront de cesse de, de diverger » et et les certains mufassiroun ont dit et pour être divergents dieu les a créés ce qui veut dire que la notion de divergence est une notion fondamentale inscrite en islam et autant de l'imam ahmed ibn hanbal il y avait un, un, un de ses disciples qui a écrit un livre qu'il a intitulé le livre de la divergence kitabul Ertilef même Ahmed quand il a euh, qui, quand il lui a présenté le livre, il a dit à son euh, à, à, ce, à son disciple, la ce as ça appelle le le livre de la largesse, car en fait il y a euh, dans la divergence des euh, savants, eh bien euh, euh, beaucoup de largesse, car il est permis à chacun de nous de suivre l'avis de celui parmi les savants vers lequel vers lequel son cœur penche. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Sheikh al-Islam, Ibrahim al-Bayjouri, par exemple, dit que « si un de vous se trouve face à la divergence, euh, à une divergence quand, sur tel ou tel point, man ajaz, qu'il suive celui parmi les savants, euh, euh, qui a autorisé telle ou telle chose en face de laquelle il se trouve. Il euh, euh, y a un savant également qui s'appelait Al-Uthmani, qui a écrit un livre dont le titre n'est autre que la « Rahmatul Ummah Fertilef Al-Aim La miséricorde de, de la communauté que Dieu a mise dans la divergence des savants euh, ». Il y a là la preuve, chers frères et sœurs, que quand nous divergeons, nous n'avons pas à nous insulter. Nous n'avons pas à croire, à prendre pour sainte les paroles de tel ou tel savant, car en fait, il y a un distinguo fondamental que nous devons faire. Distinguons, chers frères et sœurs, entre le texte, qu'il soit prophétique ou coranique, et la compréhension que chacun de nous peut avoir du texte. La compréhension que moi ou vous pouvons avoir, elle est humaine et tout ce qui est humain est susceptible d'erreur. En revanche, le texte en lui-même, lui, il est infaillible. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, lorsque nous arrivons face à une divergence comme celle d'aujourd'hui, celle de la détermination du début du mois de Ramadan, soit par des calculs astronomiques, soit par la vue de l'œil, euh, appelé l'œil nu, comme dit l'expression, eh bien, il n'y a pas lieu, chers frères et sœurs, de nous tirer euh, euh, à boulets rouges les uns sur les autres, car c'est une miséricorde, chers frères et sœurs. C'est une miséricorde et c'est aussi une façon pour nous de montrer aux autres que... La notion de dialogue, elle est intimement liée à notre foi. Elle est intimement liée au principe même de notre religion car voyez-vous, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dieu rapporte un dialogue qu'il a eu avec la pire des créatures qui soit, à savoir Iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand il a vu Iblis s'insubordonner à son ordre, il lui a dit, il lui a demandé pourquoi il a demandé à Iblis pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant euh, celui que j'ai créé et Iblis a répondu. Donc il y a là la notion de dialogue qui s'inscrit même dans l'humanité car au fond si vous voyez bien c'est avant même que Adam alayhi ne soit véritablement celui qu'il est devenu par la suite, une fois créé, avant même que Dieu lui dise de faire quoi que ce soit, avant même qu'il reçoive l'ordre d'aller siéger et séjourner au paradis. Avant même que Dieu lui dise, euh, euh, avant même que Dieu nous dise à Adam d'aller habiter au paradis, lui et sa femme, eh bien, Dieu a, a inscrit dans ses gènes la notion de dialogue, car il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, tous. Lorsque, euh, Dieu, et lorsque Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. après, bien entendu, que Adam a.s. leur ait appris les noms de cho des choses, eh bien, dieu dit ils se sont tous prosternés à l'exception euh, de iblis qui lui s'est insubordonné et dieu lui a demandé pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé et la réponse de iblis tout le monde la connaît a été que je suis mieux que lui tu m'as tu créé à partir du feu et lui à partir de la terre donc c'est j'ai envie de dire dans notre ADN que de discuter, que de dialoguer. Et qui dit dialogue dit forcément opinions différente. Et opinion différente ne veut pas forcément dire que nous allons finir par nous mettre d'accord. Non. On peut rester chacun sur sa divergence et là. Traditions prophétique, les traditions prophétiques, ou la tradition de croire en salam, elle est remplie d'exemples de cette sorte. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi sallam, après, la guerre des tranchées, ont divergé sur le fait que le prophète sallallahu sallam leur ait dit « La al asra illa fi bani Quraiza. Nul parmi vous n'a le droit de faire la prière de asra en dehors de cette euh, tribu euh, euh, qui vivait à Médine, qui est la tribu des euh, juifs de Bani Quraiza Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur, euh, sur le chemin, ils se sont, ils ont divergé, comme c'est dans le hadith, qui est dans le Bukhari et dans les autres livres de, de la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, arrivé, euh, euh, en milieu de chemin, les compagnons, l'heure de la prière de Asr est arrivée, les compagnons ont divergé, certains ont prié et d'autres n'ont pas prié. Mais devant, lui, une fois devant le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, rawil hadith celui qui recueille le hadith dit, وَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِنَ il n'a violenté aucun des deux, des deux groupes, excusez-moi. Il n'a dit à aucun des deux groupes qu'il était euh, perdu. Pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas diverger tranquillement, étant donné que les deux avis reposent tous les deux sur des bases religieuses solides. Venons maintenant à la question même de la notion de détermination de la Lune. الحديث في البخاري وفي بعض الأحاديث في البخاري وفي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، الحديث في عبد الله بن عمر، كو Dieu سوى ساتيسفي دو لوي دو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلغوكويكو لو بخاري صلى الله عليه وسلم أدي صوموا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال، كما هو في البخاري، Que si vous voyez la lune et en arabe, hatta s'appelle wa Ne jeûnez pas tant que vous n'aurez pas vu la lune hatta et ne rompez votre jeûne que quand vous la voyez. En d'autres termes, ne commencez à jeûner et n'arrêtez de ne vous arrêtez de jeûner que en voyant la lune. Si il vous arrive d'avoir un nuage qui couvre l'horizon, C'est ce mot-là, ainsi que les mots constituant le hadith, qui est dans le Bukhari, ont été à l'origine d'une divergence jurisprudentielle. Parmi les savants, certains ont dit, ru'ya le sens de ru'ya ici veut dire voir bil'ain, bil'ain le mujarrada par l'œil nu. En disant, le hadith dit, la Ne jeûnez que si vous voyez la lune. Donc, continuez à manger, à profiter du mois de Sha'ban en mangeant et, euh, euh, en buvant jusqu'à ce que vous voyez la lune. Sitôt que vous la voyez, vous vous arrêtez de manger et vous, vous commencez, vous entrez dans le mois du jeûne. Euh, ce qu'on appelle Al-Aïm al-Mujarrad, nu. Donc, euh, la vie que certains aujourd'hui, ou que beaucoup aujourd'hui soutiennent, est la vie partagée par beaucoup de savants, euh, ainsi que les compagnons du prophète, pendant une longue période. Mais d'autres savants disent non. rohia ça ne veut pas dire « voir ». Ils disent que Ra'a fait partie en arabe de ce qu'on appelle ou ilmi les verbes du savoir. Et les verbes du savoir, c'est comme Adraka, qui veut dire comprendre véritablement la chose, donc euh, avoir une connaissance parfaite de la chose, Alima, Fakhiha, et d'ailleurs, ils disent, euh, quand Dieu nous parle dans le Coran, euh, de euh, euh, la notion de com compréhension, il utilise, euh, il utilise à maintes reprises dans le Coran le verbe voir au sens de comprendre. Et d'ailleurs, même le verbe voir en français, euh, on l'utilise de cette façon lorsqu'on dit à quelqu'un Est-ce euh, que tu vois ce que je te dis euh, La parole n'est pas visible. En, le... en revanche, il s'agit ici de la compréhension de ce que je dis. Je demande à la personne Est-ce que tu vois Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on distingue regarder de voir. Je regarde une personne. Je vois une personne, mais je ne regarde pas une idée. En revanche, je la vois. Donc, ça ici le sens de Ru'ya et li Je n'ai en comprenant, en connaissant l'apparition de la Lune. C'est ainsi qu'ils ont euh, glosé, qu'ils ont commenté ce euh, hadith. Et d'ailleurs, ils vont beaucoup plus loin. Ils disent lorsque le hadith dit li wa li ils disent que euh, le hadith qui dit jeûner en voyant la lune et romper en la voyant ils dit ils disent le hadith s'adresse à tout le monde ici à tous les musulmans or c'est souvent une personne qui la voit et qui vient nous apprendre qu'on a vu la lune il y a donc là la preuve que au fond il s'agit pas là de voir au sens de voir avec le INU, mais plutôt de connaître l'arrivée de la lune car combien parmi nous voit véritablement la lune avant de se mettre à jeûner on se dit dans les états euh, où la majorité de la population est musulmane euh, que il y a des instances spécialisées par exemple en Égypte il y a Darul Ifta la maison de la fatwa d'Égypte qui est chargée depuis des temps immémoriaux d'annoncer le début et la fin du mois de Ramadan et c'est la même chose dans beaucoup de pays musulmans dans lesquelles il y a des instances euh, obligatoires qui sont chargées d'annoncer le début et la fin de, du mois de ramadan. Donc est-ce que là on peut dire que tout le monde a vu Du tout. Et c'est d'ailleurs le sens que Dieu utilise dans le Coran en parlant du jeune. Et Shahida ne, veut pas, ne signifie pas voir forcément. D'ailleurs le verbe Shahida a été utilisé à plusieurs reprises dans le Coran par exemple dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit shahida Allahu annahu la ilaha illahu dieu témoigne Et voyez-vous c'est toujours le verbe shahida shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilm est-ce que les savants et les anges ont vu la divinité non ils l'ont su ils l'ont comprise à travers, comme l'a dit Abou Laïteh, l'existence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala est justifiée par nos personnes. Notre existence ainsi que tout ce qui nous entoure, eh bien, prouve l'existence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, de Dieu euh, 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 le Très-Haut. Il y a donc là la preuve pour les... Avant, qui vont vers cette idée que ce qui est demandé à travers le hadith, c'est pas voir avec l'œil seulement, mais que c'est beaucoup plus large, c'est connaître. Et c'est la raison pour laquelle ceux-ci disent, partant de là, eh bien, la détermination de la lune peut se faire soit par l'œil euh, euh, nu, soit par L'œil armé. Et c'est quoi l'œil armé pour eux C'est l'œil qui est par exemple l'armée aujourd'hui d'un télescope ou, ou d'une jumelle ou de euh, je ne sais quel autre au moyen pouvant nous permettre de voir, euh, euh, comment dire, la lune. Et d'ailleurs, dans certaines régions euh, euh, de, du, du monde musulman, le, euh, le verbe faqdurulah, qui se trouve dans euh, euh, le hadith que nous avons cité tout à l'heure, eh bien, ils se sont dit. Nous allons dire que nous allons construire une espèce de petit de petite objet euh, euh, carré ou rectangulaire ou plutôt circulaire qui nous permettra à un endroit élevé de guetter euh, l'apparition de la Lune. Donc pour eux, c'est ce que cela signifierait, c'est-à-dire euh, l'observer, même si d'autres savants ont dit c'est bien entendu de euh, euh, ne pas euh, jeûner yomušek euh, c'est-à-dire et comme c'est la vie d'ailleurs de Hanabil, c'est-à-dire euh, de jeûner pardon le e jour du mois euh, de Shaban euh, dès lors qu'il y a des nuages en s'appuyant sur le sur le comportement que Abdullah ibn Omar celui celui qui recueille le Hadith avait lorsqu'il y avait des nuages qui l'empêchaient de voir l'horizon donc lorsqu'il ne pouvait pas savoir exactement ce que vouait dire si la lune a été vue ou pas, eh bien, c'est la vie partagée par les Hanabila, c'est que, eh bien, au 30e jour du mois de Sha'ban, il n'y a pas pour eux de 30e jour du mois de Sha'ban, lorsque cette situation-là se présente, c'est qu'on jeûne par précaution, car le verbe faqudur signifie ici réduire. Et il en va de même également pour le 30e jour du mois de Ramadan, s'il se trouve dans cette situation également, vous comprenez qu'ils en déduisent exactement de la même façon, ce qui veut dire encore une fois qu'ils se sont appuyés sur un avis qui est également respectable. Donc on se trouve ici face à quelque chose qui permet, qui laisse la possibilité de diverger. Donc « là certains ont dit « bilhisab ». C'est-à-dire que l'on peut compter, on peut faire des calculs, et c'est la vie partagée par beaucoup de savants, dont, par exemple, Moutrof ibn Abdillah. Euh, Ibn Shakhir qui euh, y est un tabi'i d'après les propos que lui attribue Ibn Surayj même si Ibn Abdul Barr al-Maliki euh, euh, dit que ces propos-là ne sont pas euh, de Motrof. mais Motrof, il est dit de lui il est recueilli de lui qu'il a euh, euh, dit que l'on pouvait s'appuyer sur El-Hisab Ibn Suraj et Chef Ibn Souraj dit également que l'on peut s'appuyer sur euh, le, les, les calculs astronomiques en s'appuyant sur le hadith euh, dont nous venons de parler, en disant qu'il s'agit là de... Compter, bien entendu, le nombre, le nombre de, 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 de jours et ensuite deviner ou fixer plutôt euh, l'apparition du mois de Ramadan selon euh, les calculs astronomiques. Et euh, certains ont été même beaucoup plus loin, comme certains Hanafites, qui ont dit que l'on pouvait s'appuyer sur les propos des astrologues. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'on pouvait euh, 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 s'appuyer sur les propos d'astrologues. Euh, euh, et aujourd'hui, nous sommes en 2013, il ne s'agit pas d'astrologie, mais plutôt d'astronomie, quelque chose d'on ne peut plus euh, certain, quelque chose d'on ne peut plus infaillible. Euh, euh, on prévoit, et nous le voyons tous, euh, des éclipses lunaires ou solaires plusieurs années à l'avance, parce que l'on sait que, justement, la lune et le soleil, comme Dieu dit dans le Coran, obéissent à des règles précises qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées. Alors pourquoi, chers frères, pourquoi, chères sœurs, nous ne pourrions pas, en 2013, s'appuyer sur cet avis qui est donc, si nous avons bien compris tout ce qu'on a dit jusque-là, un avis s'appuyant sur la sunnah du prophète sallallahu wa s'il s'est parce qu'il s'appuie sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il s'appuie sur la compréhension des savants du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça a été un avis partagé par plusieurs savants, aussi bien anciens que contemporains. Cela fait donc partie de la sunna. Donc, chers frères et sœurs, pour éviter que l'on soit à la risée des autres, nous sommes en 2013, nous avons conquis des galaxies, nous avons été sur la Lune, il y a de cela, euh, une cinquantaine d'années. Chers frères et sœurs, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est faire honneur à notre communauté que de continuer à nous déchirer sur des questions de divergence est-ce que c'est faire honneur à notre communauté que de nous tirer dans les pattes, exactement comme si on était des bambins qui ne savaient pas dans quelle direction euh, ils allaient, mais qui gambadaient Sincèrement, ce n'est pas mon avis et je pense que personne parmi nous n'a envie de revivre ce que nous avons vécu ces derniers jours. Or, il y a une solution, chers frères et sœurs. Euh, on dit en, au Saul que ce qui est certain ne peut pas être détruit. Parce qu'il est incertain. Or, on sait très bien que les calculs astronomiques relèvent de l'irrhine, de la certitude. La vue de l'humain que nous sommes, celle-ci, elle, elle, elle est sujette à caution, elle est sujette à, 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 à débat. Donc, ce qui est sûr ne va pas être laissé euh, euh, au profit de ce qui est incertain. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes le 10, euh, eh bien, il nous est rapporté. De Météo France que la lune était bien visible euh, ou qu'il était possible de la voir en tout cas pour euh, que la formule soit claire le lundi ce qui témoigne du fait chers frères et sœurs que le jeûne du mardi était possible wa la à supposer que euh, 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 Météo France n'ait pas dit cela mais Frères et sœurs, nous sommes face à une situation qui, bien entendu, mérite que nous nous penchions de nouveau sur l'évolution de la vie, car ce n'est pas euh, faire preuve euh, d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam que de vivre en marge de son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, par exemple, que, euh, eh bien, on devait vivre avec son temps. Lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'une femme lui a proposé de de faire de lui faire un membre parce qu'elle avait un enfant qui était menuisier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jusque là parlait aux gens à, à travers ses sermons à partir d'un tronc de palmier. Eh bien, il n'a pas dit c'est pas moi qui ai fait, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire son sermon sur son sur cette ce, ce, ce comment dire sur cette estrade lui a été confectionné par euh, l'enfant de cette femme lorsqu'il lui a été proposé de signer ses courriers euh, comme le faisaient les, les dignitaires des autres euh, pays et autres euh, religions et eh bien le prophète alayhi wa sallam, a demandé que accepter qu'on lui fasse une euh, bague par laquelle et eh bien il signait euh, ses courriers donc nous voyons que euh, le prophète alayhi wa sallam, a vécu avec l'évolution de son son temps. Tout le monde sait par exemple qu'à cas à, à la Mecque, les gens n'avaient pas, les compagnons n'avaient pas l'habitude de manger du pain. D'ailleurs, la farine n'était pas tamisée parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Mais une fois à Médine, ils ont découvert que les Médinois euh, euh, eh bien, euh, tamisaient la, la farine avant de faire du pain avec. Et ils s'y sont euh, euh, pliés. Et les exemples sont légions de ce point de vue. Donc là, nous sommes en 2013. En faisant les calculs, nous sortons de tous les problèmes. Et surtout que ce n'est pas euh, cesser de suivre la sunna du prophète, c'est suivre la sunna du prophète, car